Silva ha detto che avessi te la beneghetto detto da mon che paga tu se stai chiedendo per farò. Bonjour, je suis Angélique Kouronis. Je suis correspondante en Grèce depuis plusieurs décennies pour un grand nombre de journaux, radio et télévision francophones et je suis réalisatrice depuis 2007. J'ai fait à peu près une quarantaine de documentaires. Les cinq derniers sont consacrés au parti néo-nazi grec Obdoré. Mon homme est juif, un de mes fils gay, un autre un art, et moi, féministe de gauche, fille d'immigrés. Si Obdoré vient aux affaires, notre seul problème sera dans quel wagon nous monterons. Citoyen Christian Afghi ! Citoyen Chigos ! Citoyen Niki ! Ça fait 10 ans que je les filme, mais je me suis intéressée à Obdoré dès mon arrivée. Enfin, chaque été, quand j'allais en Grèce, je ne comprenais absolument pas comment il était possible que des journaux en première page et des titres « Le ministre noir arrive », le sous-secrétaire d'État juif arrive. On avait ce type de première page qui était accroché au kiosque des journaux en Grèce. Et moi qui suis quand même un pur produit de l'école française publique, laïque, je ne comprenais pas comment ceci pouvait se faire sans... D'abord comment c'était possible et ensuite pourquoi il n'y avait pas des poursuites judiciaires. Et en fait, tout ceci se cachait derrière la liberté d'expression, ce qui veut dire que le racisme avait... sous couvert de liberté d'expression, un grand boulevard devant lui. Λέει σηκωθείτε όλοι να πούμε τον εθνικό ύμνο. Ανατρίχιασα, έκλαιγα, το λέω, έκλαιγα. Parce que Obdoré était une formation au départ ouvertement néo-nazi, puis s'est constituée en parti. Le parti n'a pas changé. Le drapeau était toujours un drapeau rouge frappé du méandre noir qui rappelait quand même furieusement la swastika, la croix gammée allemande. Οι Έλληνες ήταν λευκοί φίλοι. Τώρα, να μου έρθει εμένα εδώ ο Πακιστανός, οτιδήποτε κλπ, να μου αλλοιώσει το χρώμα μου. La question n'est pas est-ce qu'on va résister, la question est quelle résistance. Et pour résister, il faut comprendre qui ils sont, il faut savoir qui ils sont. C'était l'objet du premier film. Et l'objet de la résistance, c'est l'objet du second film. Parce que est-ce que la résistance doit être juridique, comme le procès qui était en cours? Est-ce qu'elle doit être politique, comme ce cercle, cette ceinture sanitaire politique autour d'Obdoré qui fait que les autres partis ne voulaient pas communiquer avec elle, notamment au Parlement européen? Est-ce qu'elle est éducative? Est-ce qu'elle se trouve dans les écoles? Est-ce qu'elle est dans l'art? Est-ce qu'elle est dans l'église? Est-ce qu'elle est dans la rue? Est-ce qu'elle doit être armée? C'était ça la question. Et moi, dès le début, je suis allée les voir pour leur dire « Je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes troisième force politique depuis 7 ans. Je veux comprendre. » Et c'était ma démarche. Alors au début, ils m'ont pris de haut, évidemment. Mais moi, j'ai tenu bon. Je lâche jamais. Jamais.
Donc pendant toutes ces années, j'allais à chacune de leurs, avec Thomas bien sûr, Thomas Jacobi, nous allions à chacune de leurs manifestations, que ce soit distribution de nourriture, distribution de sang, prise de parole, que ce soit à la télé, en conférence de presse, partout. J'étais tout le temps là avec Thomas. Ce qui fait qu'on faisait partie des meubles. Ils s'étaient habitués à nous. Ils nous toléraient. Ils nous ont jamais acceptés. Οι περισσότεροι μου φίλοι εμένα, είναι αριστεροί. Εγώ πριν ήμουν ψηφοφόρος του Πασό. Μέχρι τον Απρίλιο, πριν πάω, τον αρχές Μαΐου είχα πάει στη Χρυσή Αυγή στον Πειραιά. Είδα τρισέβγαινα παιδιά, νεαρούς, σωστά παιδιά. Λέω, τι είναι αυτά. La société est une société où l'extrême droite, le fascisme et le nazisme, on le voit en poupe. Et pour cerise sur le gâteau, la gauche n'a jamais été aussi divisée dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas non plus d'alternative. Il n'y a pas de bloc en face d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas résister. On doit résister. Par tous les moyens. Yako Yazdani, le réalisateur du film Toutes les vies de Kojin. Depuis 2011, j'habite à Paris. Je suis kurde iranien. C'est un projet de film qui était sur la question de l'homophobie au Kurdistan irakien. Deux personnages, un c'était moi, que je dis ancien homophobe, bien longtemps, il y a bien avant. Et aussi un personnage queer qui, à la fin, on devient ami. Kojin Tania Haurgaz Khwaz, Kabouli Kutu, la barambar caméra basikoui. J'ai senti une nécessité parce que j'étais vraiment en colère par rapport à la dureté de la vie d'un ami très proche qui était rejeté par sa famille par rapport à la question de sexualité. Jamais il y a ce genre de dialogue, jamais il y a une ambiance où, dans la vie réelle, une personne de queer ou LGBTQI se trouve devant les gens qui se considèrent hétérosexuels pour avoir un dialogue. Il y a tellement de gens qui se considèrent hétérosexuels, ça leur parle pas seulement de la question de LGBT, c'est juste le contrôle de corps, la violence qu'on impose sur le corps des autres. Il y a un désespoir en général, mais j'ai rencontré aussi les personnes LGBT qui disaient « Moi, je suis bien ici, j'ai pas envie de quitter ici, même si c'est dur. Je suis heureux ici, avec la culture. » Évidemment, ils sont très, très minoritaires. Majoritairement, ils rêvent de partir dans un endroit pour vivre leur vie. Parce que vraiment, c'est pas l'endroit où ils peuvent vivre leur vie tranquillement. Il y avait une inquiétude de l'honneur familial, le fait que j'ai fait ce sujet, même dans le film, à un moment, avec la voix off, je dis, mon oncle qui me demande, allez, vas-y, faire des films sur la résistance de Kurdistan, au lieu de choisir ce sujet de merde, tout nous déshonore. Ils ont dit ce qu'ils pensent, qui n'est pas contre leurs croyances. Ils étaient vrais, ils ont dit ce qu'ils pensent. Mais le sujet, ça ne leur plaît pas.
mais ils vont s'habituer avec. C'était difficile parce que j'étais la seule personne qui a filmé, la seule personne qui a fait le son, la seule personne qui a organisé tout, préparé tout, seul, sans budget. Quand je tournais, c'était vraiment... C'était dans une condition très spéciale et je n'ai pas choisi. Tout, moi, j'ai suivi le film. C'est, je courais derrière le film. Je souhaite un peu plus de générosité de la part des gens en voyant des cousines. Je m'appelle Nicolas Le Borgne et je suis le réalisateur de la série Finarbed. Finarbed, ça commence à être une longue histoire parce que ça a commencé il y a quelques années avec une saison 1, 7 épisodes de 10 minutes, voilà, d'un road movie qui se passe en Bretagne. Et puis on a continué l'aventure pour une saison 2 de 10 épisodes de 10 minutes qui se passe un peu moins sur la route, mais... dans une ferme un peu obscure en Bretagne. Au classe, maman, clétiment. Il rentre qui est foutre et caire. N'est-ce que comme skin?
On est toujours dans le thriller avec la saison 2 et peut-être un peu plus encore. On a tourné au mois de novembre, donc dans une ambiance assez sombre, et c'est ce qu'on voulait. Donc on montre une Bretagne humide et sombre, à la différence peut-être de la saison 1 où on était en plein soleil sur les routes de Bretagne. Allô, Piet ? Marie, t'es l'envieur ? Très ronquée, l'arrêt de sœur, t'es médite. Père Anistosé. Golazé, évidou de Mossé, très d'Arnon. Alors la série, elle a été diffusée sur France 3 déjà. Et là, au festival, vous pouvez la voir samedi à 17h à l'auditorium. Donc, bienvenue. On était toutes dans la même situation. On avait quitté la Finlande pour vivre notre passion, le cirque. On a vraiment créé ça comme si on faisait un spectacle plutôt qu'un film, même si on était conscient qu'on était en train de faire un film. Ce qui est super intéressant dans le cinéma, c'est qu'on peut cadrer et forcer la personne à regarder plus quelque chose que naturellement dans le spectacle vivant on verrait pas forcément, notamment quand on filme les porteuses, souvent on regarde le voltigeuse parce que c'est plus ça tire l'œil, alors que là on pourrait cadrer et vraiment voir le geste de porteuse. On a rejoué des scènes qu'on a fait pour la création du spectacle, donc on a mis un peu en scène le passé, et pour ça on a utilisé des bonnes caméras et une équipe professionnelle, et d'autres parties de film où c'est plus dans le documentaire, on est parti avec des petites caméras entre nous, entre les circassiens, on s'est filmé entre nous, et c'est ça le côté plus amateur ou expérimental peut-être. Il y a 13 monteurs. Après le noyau dur, c'était 7 monteurs, monteuses. Voilà, on a travaillé, on a fait des résidences et on montait les parties. Après, ça, des fois, il y avait une personne qui prenait plus le tout. Après, ça repartit. Voilà, c'était un travail collectif. Comment monta kilometriä, että päästään perille? Kuinka monta telttakeppiä hakataan maahan? Kuinka monta kertaa on vastattava samaan kysymykseen? À la base, dans le spectacle, on voulait parler un peu des clichés finlandais. À partir du moment où on est parti de Finlande, on présentait beaucoup la Finlande. Dès qu'on habite ailleurs, du coup, tu vois ton pays différemment. C'est un peu pour ça qu'on a voulu faire ces spectacles. C'était aussi de montrer de qu'est-ce que c'était, parce que souvent on nous pose la question, alors c'est comment l'hiver, la neige, la nuit éternelle, vous buvez quoi, vous mangez quoi, des questions comme ça. Et du coup c'était un peu naturel, comme on était tous les 7 ensemble, de faire le spectacle sur ça. Mais là il lui manque une aile, est-ce que ça se compte? Non, il faut qu'il soit entier. Finalement, on n'est pas tant que ça de Finlandais ou Finlandaises dans le monde. Du coup, direct, on se connecte. Il y a une espèce de solidarité comme ça, naturelle, mais qui existe aussi dans le monde du cirque. Pour vouloir marcher sur une file ou faire des acrobaties dans l'air, il faut être un peu fou. Et voilà, nous, c'est notre vocation. On a fait des études pour maîtriser ça, la folie, mais on prend des risques, mais on maîtrise quand même. We'll be right back.
globale, pas sanitaire, s'il vous plaît. Merci. C'est Moussaka ! Moussaka ! Vous ne vous en séparerez jamais, la Moussaka géante.